Brian Coquart est au téléphone avec nous. Bonjour Brian. Bonjour, bonjour. Et félicitations pour ce titre de champion du monde. Bravo. Avec un peu de recul maintenant, un peu à froid, est-ce que vous réalisez ce qui s'est passé ce dimanche ? Ouais, je commence à réaliser petit à petit. C'était vraiment un rêve de gosse pour moi d'être champion du monde sur piste. Bon, en élite, j'avais jamais été champion du monde. L'être en France, c'était vraiment beaucoup d'émotions. C'est des moments gravés à vie maintenant. Vous l'aviez annoncé, hein, vous visiez vraiment le titre sur cette course à l'américaine. Oui, avec le recul, des fois, en approchant de la compétition, je me disais que j'aurais peut-être pas dû annoncer comme ça. Et voilà, c'était un peu culotté d'annoncer que je voulais être champion du monde, mais c'était vraiment le but. Si je faisais le déplacement et que je revenais sur la piste, c'était pour être champion du monde. Et puis bon, je me suis pas arrêté. On a fait une très belle course. Et puis voilà, on est champion du monde. Et de plus, à la maison, c'est encore une faveur un peu plus particulière. Un mot sur votre association avec Morgan Kneski, puisqu'il a été préféré à Thomas Bouda, qui était habituellement votre partenaire. Ouais, Morgan, c'est un coureur qui a beaucoup d'expérience. Il a déjà été champion du monde une fois à l'américaine, champion du monde du scratch. Et donc voilà, on est les sélectionneurs. Bon, en tout cas, le sélectionneur avait décidé de pas mettre moi parce que pour vraiment qu'il se consacre à 200% sur l'omnium. Et puis avec Morgan, on avait déjà eu l'occasion de faire les 3 jours de Grenoble ensemble. C'est une paire qui marchait bien. Et puis on l'a retrouvé encore hier. Un bon début d'année 2015, Brian, avec une victoire sur l'étoile de Bessèges, un titre de champion du monde. On va vous retrouver sur les routes sous le maillot du Team Europcar pour la deuxième saison. Qu'est-ce que vous ambitionnez pour cette saison 2015 ? J'ambitionne de gagner plus de courses possibles. Donc ça fait chouette. J'ai gagné 12 courses pour l'instant chez la Pro, 6 toutes les, à peu près entre 5 et 6 par an. Et bon, voilà, j'aimerais vraiment gagner. Une grande course, une pro tour, une étape sur Paris, sur Catalogne, ou en tout cas une grande classique. Donc, en tout cas, une course pro tour. Donc, je mets la barre un peu plus haute que les 2 années précédentes. Merci beaucoup, Brian, de nous avoir répondu. Encore bravo. Et puis, à bientôt sur les routes.